Voilà, comme je vous l'ai indiqué. Donc on repart cette fois-ci sur Battlefield 2042. Alors, et c'est bon, normalement vous avez l'image. Alors, défi de la semaine, je suis bon au niveau de mes armes. J'en étais où? AK que je montais, RM68, AKS. Niveau spécialiste, j'en suis où? Avec 21 Crawford avec le Vulcan, on va essayer de le monter un peu aujourd'hui. Au niveau des véhicules, on va peut-être pas y monter. Serveur qu'il y a. On va partir là-dessus. On va voir comment ça se passe. Après, j'ai hésité entre Battlefield ou Company of Heroes 3. Après Company of Heroes 3, j'ai fait plusieurs parties ce matin, déjà. Donc, je voulais plutôt jouer à un autre jeu que j'avais pas encore joué aujourd'hui. Attaque. Je recharge mon arme! Nous devons détruire leurs objectifs. Prendre le contrôle des secteurs et repousser toutes les attaques ennemies. Ça va être le carnage. Il n'y a pas de smoke. Peut pas aller trop au corps à corps, donc les RM sera mieux. J'avoue que j'ai pas trop analysé, mais je. Ouais, vu comment. Je prépare l'arme lourde. De toute façon, c'est simple, Aurore. Bon, au snipe même, quand quelqu'un sera minigun, c'est assez simple, vous pouvez viser dans la petite ouverture au snipe et le tuer assez facilement. Mis à côté, quasiment. J'ai fini que j'avais aussi dans le jeu. Je vais enfin débloquer au dernier level. Et une ou deux parties de chauffe. On partira sûrement en hardcore.
recharge. Je l'ai pas raté. Rechargement. Chaud. Il y avait du C5 sur le véhicule. C5 puissance explosive, voilà. Boum. Je pensais que c'était quelqu'un qui est mort. J'avais pas vu le bonhomme derrière. Était mauvais. Pour l'échauffement, ça se passe bien. RPG. À peine surpris. Encore assez bien cette mitraillette, le problème. Bon, ils ont repris l'eau, mais c'est pas le plus important. Charge posée. Assurez-vous qu'elles explosent. Dommage, j'avais la bonne idée de me mettre à manger, mais trop tard. J'aurais dû le faire immédiatement après être arrivé sur le, au niveau du tank.
train de recharger là. Nos renforts commencent à manquer. En plus, il y a quoi avec deux teams qui jouent au jeu. Rejoins d'après. On sera pas tout seul à jouer. Ça, je peux fermer comme écran. Ça. Par contre, actuellement, comme c'est réglé, mon. OBS, vous entendrez pas mon pote. Voilà. Ça en est bon, ça en est bon. Rechargement. À m'arriver, on est à peu près à moitié de la partie. Quand on s'est mis le ticket, cette map. Je suis comme dit à 23ème sur 64. Hein. Cinquième, enfin, les 20 en première moitié de, la, de notre équipe. Équipe éliminée. Grenade envoyée. Grenade envoyée. J'ai pas été bon. L'assaut est mort. Je suis prêt à arriver à un moment, mais... On va peut-être passer au secteur suivant, mais... D'élimination sur mes véhicules, sur des alliés alors que j'étais il n'y a pas de TK. Eh ben, pour réchauffement, tant pis. On a perdu, mais au moins on s'est bien échauffé. Salut Jérémy. Salut. Au revoir. Très bien, et toi? Bien. Autant qu'on t'avait pas vu. Ah bah, j'ai joué à d'autres jeux.
Ah bah voilà. Ah, j'ai terminé ma campagne. Tu nous as lâchés. Voilà, t'es un lâcheur. Non, je vous ai pas lâché. J'ai continué à faire mes défis hebdomadaires, discrètement. D'accord. Non, j'avoue que j'ai fait beaucoup d'heures de stream pour terminer une campagne avant une mise à jour qui sortait la semaine prochaine. J'ai terminé d'ailleurs, j'ai terminé la campagne juste avant de venir. Les ordres viennent d'arriver, notre escouade va être déployée. Là, je me suis dit, tiens, je vais jouer un peu à BF avec mon cher Jeremy. T'as rejoint Zef, je présume. J'ai le héros joint, non, parce que je le vois pas en jeu. Pas te rejoindre, t'es dans l'Exode, pour moi. Ah ouais, c'est bizarre. En game? Ouais, je suis en game, ouais. Attends, et si je passe peut-être par EA, peut-être te rejoindre? Non, t'es pas en game pour moi. T'es sur le serveur BD, BAD, je présume. Ouais, ouais, tout à fait. Et je regarde. Vous essayez de m'inviter pour voir? Ouais, parce que je le vois pas, comment il s'appelle Zephyrin? Ouais, attends, je vais t'inviter. Et je peux pas le rejoindre non plus, moi. Ah bah tiens, là je peux te rejoindre. Et là Zephyrin n'existe plus pour moi. Mais ouais, moi. Parce que je sais pas ce qu'il a mis, canal de confidentialité, ouais, ouais. Il y est plus dans le groupe. C'est juste ce que je viens de voir. Je vois que vous étiez dedans le groupe et d'un coup il est plus dedans. Non mais je le vois plus, il a dû quitter le groupe. Il m'a vu arriver. Ouais, à mon avis c'est ça. J'ai fait peur. Allez, premier en file d'attente. T'es quoi, en attaque ou en défense de la bataille des Ardennes? On défend. Mais bon, on est mal là. Echo perdu. Il nous reste plus que. Non, on a perdu. Il nous reste plus qu'Echo. Oh, merde. Alors. On va tenter. Oh putain, j'ai plus de munitions, merde! Hein, si tu veux, t'auras des canons. Ah, t'as un canon. À ta droite, y a du monde. Derrière le tank? Ils sont arrivés par là, regarde. Ah non. C'est un allié. Surtout anti-véhicule ce que t'as. Hein. Oups, je me suis planté dans l'arbre. Minigun. Oh putain. Ah, on a pris tarif. Ah ouais, c'était un anti-air, je sais pas avec quoi, il nous a tiré dessus. Non, on s'est tapé aussi des lance-roquettes. Ouais, je pense. Ouais. Pour moi, il y avait deux roquettes, on s'est pris deux roquettes et l'anti-air a fini. Et il y avait un minigun qui nous tirait dessus. D'ailleurs, j'ai fini le jargon.
Il en faut en maîtrise 40. Ouais. Faut dire c'était tellement sympa de monter, il y a rien. Donc j'ai repris le bazooka de base. Sans recul. Assistance disponible. Appelez pour le largage. Ah, du mal à viser. Fais gaffe. À 30. C'est même pas bon monteur. J'espère acheter sur chaque fois. Hein. Oh la déroute qu'on se prend. C'est ce tir là qui m'a aligné, je comprends mieux quand. Pas réagi. Ils ont un anti-air qui ne bouge pas, c'est impressionnant. Hein. Entre B et D. Hein. Oh putain, merde! Putain! C'est arrivé. Arrivé quoi mon petit Jeremy? Je suis mouru. J'ai laissé le char. Ah oui, ça arrive. Ils m'ont repris le char, ils sont sur écho là. Attends, j'ai spawn sur écho alors. Un peu le con là. Mais bon. Bah, c'est ta partie de chauffe, non? Voilà. Voilà. On va dire ça comme ça. J'ai fait une demi-partie de chauffe. On va dire que je suis encore dans l'échauffement. On peut vous envoyer du ravitaillement. Appelez si vous en avez besoin. Bah, ils ont un. Je vais retaper ce véhicule. Ah, ils ont un tort de. Un objectif est assiégé. Vers le sud. Ils ont déployé un de ces nombres de torts, c'est impressionnant. Ouais, il y en a un paquet, ouais. Environ 250 mètres. Oh. Ils tentent même pas d'attaquer, ils attendent au pont, ils attendent partout. Ouais, ils ont raison, hein. Ils ont l'avantage, ils ont juste à attendre. Et ils gagnent. Bah ouais, parce que on a défendu nous, c'est tout. Que le point E, donc. Oh, j'ai trouvé un jeu génial, un FPS. Ouais. Unlisted. Ça en gros. Se joue à... Ouais. Ça peut se jouer à plusieurs, c'est pas un souci. En gros, la différence avec BF, bon, t'as pas de destructabilité, tu détruis pas les bâtiments comme dans BF. Ça, c'est le point noir. Ouais. C'est sur la Seconde Guerre mondiale. Par contre, tu contrôles une escouade. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, t'es américain, t'as par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hommes en fonction.
Peut-être pas 10, mais en fonction de ce que tu prends, t'as plus ou moins d'hommes. Tu contrôles, dès que tu meurs avec ceux que tu contrôles, tu prends un autre de tes soldats, de ton escouade. Et tu respawn une fois que tous les gars de ton escouade sont morts, tu respawn avec une autre escouade. Et j'ai trouvé ça ultra agréable. T'as des gars qui font, t'as des médics, t'as des radios, etc. Et par contre, au niveau des véhicules, c'est surtout réaliste au niveau des dégâts des véhicules. Ouais. Donc, tu tires un obus au bon endroit sur le côté d'un véhicule, bah c'est du one shot quoi. J'arrive, tiens bon. On a besoin de toi, Boris. J'avoue, j'ai testé un petit peu, j'ai été agréablement surpris. Bon, par contre, pour tout débloquer, je pense que BF à côté, c'est de la rigolade. Ouais. Et ouais, par contre, j'ai trouvé l'ambiance du jeu et l'idée du jeu, tu vois, que tu contrôles une escouade. Donc, tu vois, c'est réaliste, mais pas trop. Donc, au moins, c'est. Une PKP quelque part, je ne sais où. Il y a un minigun dans le bâtiment qui fait l'angle. Jeremy ! Bon, c'est oui. Perdu. C'est perdu. Eh ben oui. Je vois qu'il y en a plein qui jouent à Star Wars Survivor d'ailleurs, le dernier. Ils ont tous abandonné pour Star Wars. Ah, j'ai pas dit mieux, le jeu est gratuit à Unlisted. Ah, ouais. J'avoue que j'étais tombé dessus un peu, toi, par hasard. Et j'avoue que le jeu est bien agréable. Ouais, moi tu sais, je vais jamais chercher. J'aime bien BF, tu vois, donc. J'ai pas la curiosité d'aller voir ailleurs, tu vois. Ah. Aller voir autre chose. Moi j'aime bien BF, mais tu vois, on m'a dit de tester, j'ai testé. Je dirais que mon fils, il est comme toi, quoi. Après, tu me vois. Je reviens à mes origines. Ouais, mais il a ses périodes, tu vois, donc là il va jouer à quelque chose, après un jeu, puis après il va revenir. Non, après ça je peux comprendre. Le problème de trop jouer à un jeu, tu peux te dégoûter un moment. C'était il y a 160 ans la bataille de Cameron. Ah oh bah oui. Et le 30 avril ? Vas-y. 30 avril 63, ah oui. Punaise. Il y a urgence. Des troupes russes sont en route pour s'emparer d'un centre de données à Songdo en Corée du Sud. Vous n'avez pas à savoir ce qu'il y a. Putain. Sur ces serveurs. Et pour avoir un véhicule, c'est bien. On est un. D'autres forces opérationnelles alliées sont en route. J'ai pris un char, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais un hélico ou un avion, mais. Bon, déjà, si tu veux un véhicule, t'as intérêt à avoir un SSD. Déjà, règle d'or, il te faut au moins ça. C'est un avion ami ça qui s'est parachuté. Ah putain, il s'est mis au rang de tir, saloperie. Bloqué là-dedans, tiens, je sais même pas si c'est possible de se bloquer là-dedans. Nous avons le contrôle de la majorité des secteurs.
pouvais voir c'était quoi ton arme en fait. J'ai tiré dans le vent, hein, plutôt que dit. C'est chaud en haut là. Un gars dans le point, j'ai vu. Après, j'ai pas fait gaffe combien. Que deux sur le point. Et le problème, c'est que mon allié m'a. Oh, mais faut qu'ils arrêtent de tirer quand ils voient rien. Il te canarde plus toi qu'il canarde les ennemis, quoi. Et là, vous allez vous prendre un coup de C5, les amis. C'est moi qui suis dans le char, je descends là, parce que l'autre, il me gêne. Tiens, ça c'est. Ah. Nos troupes ont capturé le secteur Charlie. Ah, il y a un véhicule qui est passé devant toi, Jérémy. Ah, t'as pris ta rif. Reste un sur le point. Dans mon dos, il m'a tué. Ça? Il est où? Là? Ouais. La personne. Si, si, là où j'ai marqué, il est derrière la statue, toujours. Là, je tire dessus, il touche rien là. En fait, il est de l'autre côté de la statue. Ouais, il a presque là. Bon. Regarde, devant moi. Il est pile devant moi, il est. Il est sur la statue. Il est maintenant à l'opposé. Je vois pas. Il a été tué. Boire ou conduire, faut choisir. On se rejoint là-bas. C'est parti. Putain, il m'a touché le con. Il y a un tank dans le point. Un bout qui s'est planqué dans le tank sur A déjà. Oh putain. Les forces opérationnelles font du bon travail. On tient des objectifs. C'est mort, je dirais. Ils campent dans les champs. Ils vont finir par se prendre un full cap les adversaires, hein, en jouant comme ça. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah, ils reprennent B, tiens. T'as joué sur Charlie. Ah bah tiens, j'ai voulu B avant que ça soit pris et j'ai spawné sur Charlie 2. Ils sont 3 sur le point. L'ennemi a réussi à prendre le secteur, bravo. Ah, ça donne moins. Retoi de B. Contrôle de la majorité des secteurs. Je vois une unité ennemie, tout là-bas. Ennemi en vitelle. Faut y aller. Les forces
forces russes attaquent un de nos objectifs. Le truc, il tire d'aussi loin. On sait pas qu'une tourelle peut me tirer à 120 mètres, tu vois. Une tirée automatique. On s'est fait spawner à base. Miner à base, excuse-moi. Ah ouais, ouais, mais ça doit être... Il y a les repos en face. C'est les spécialistes de ça, ils adorent ça. Non, c'est pas un repos, justement. Non. J'aurais dû mourir 15 fois vu ce que je viens de faire, mais j'ai tué les deux. Parfois tu fais de la merde, mais t'arrives à en tuer deux. Tu te demandes comment tu fais. Non, c'est Napan, c'est le 8ème de l'équipe qui a miné la spawn. Cop, c'est eux qui l'ont fait là maintenant. Ah, j'ai privé. Non, on a privé. Le deuxième de rééquipe, il m'a déjà tué 3 fois. Hein. Colis disponible, dès que vous êtes prêts. Je balance une grenade. Allié gravement blessé. Ok, on va reprendre Charlie 2 là. Ouais, j'y suis. Objectif capturé et sécurisé. On se rejoint au marqueur. Oh là-bas. Putain. Il est quoi devant toi, il t'a tué? Ouais. Charlie 2. Oh putain, la tourelle. J'ai un ton fou. Allez, debout. Deux secondes, je recharge. Nouvel objectif sous contrôle. Les objectifs Charlie sont sous contrôle. Secteur sécurisé. La majorité des secteurs est sous contrôle. Allez au marqueur. Objectif perdu. Nous devons le reprendre. Bonne chance, chef d'escouade. Mis à côté. Camarade abattu. Il a pris un peu de temps à me réanimer, Bad Migouz. Je pense qu'il a hésité entre me réanimer et pas me réanimer et il est mort à cause de ça. Ta merde. Mais pourquoi ils ont pas rajouté un tank sur C1? Sur le toit de C1, mais sérieusement?
de tout nettoyer. J'ai abattu l'ennemi. Je recharge. Couvrez-moi. On a repris l'initiative. Nous avons le contrôle de la majorité des secteurs. Un objectif est attaqué. Très sûr. Ils ont utilisé nos mitrailles. T'as les grenades incendiaires là sur le... C'est pas le mien celui-là, non non c'est un minigun que t'as. Mais moi je l'ai les grenades incendiaires. Coup de feu à 3 heures. Bah je vais aller chercher lui. Une frappe ennemie. Sablé de devant. Et on pourra rien faire contre le véhicule. Hein. Après, ce qui est intéressant, c'est comment ça s'appelle côté spawn. C'est les grenades là. Tu les as les grenades. Moi par défaut, ce que j'ai, c'est j'ai grenade incendiaire et j'ai canon de 25 mm anti-véhicule. Ouais. Putain là. Cadavre. Il a quitté le véhicule. Putain. Règle d'or dans le jeu, c'est de ne jamais abandonner son véhicule tant qu'il est pas mort quand même. Les ennemis ont notre brûleur. Ah non, c'est leur brûleur à eux. Autant pour moi. J'ai été médisant trop rapidement. Attaque lancée sur Alpha 1. On a pris un objectif. Majorité des secteurs. Nous avons perdu le contrôle d'un objectif. Ils sont actifs que moi les ennemis hein. Me fait vieille Vermi. Les ennemis sont plus réactifs que moi. Qui campe avec sa tourelle. Nous avons sécurisé le secteur. J'ai volé un brûleur ennemi. Ah, il est équipé comme moi. Nickel. Allez, j'arrive, j'ai remis. J'ai cru entendre un éclair. Il y en a un au-dessus. Confirme. Il est plus là.
t'inquiète pas, ça va aller. Objectif capturé et sécurisé. Nos troupes ont capturé le secteur Charlie. Ah. Position indiquée, allez. Les Russes sont le secteur Alpha. Les Russes ont pris le contrôle de la plupart des secteurs. Position d'un hélico ennemi signalé. S. L'autre qui campe à Baguise. La tête saloperie. Oh, Jérémy. Oui. Y a Tornade, pas loin de toi. Hein. Moi aussi quand même. Bah, elle va vers la gauche. Elle va pas vers moi. Ah, je pensais que t'étais plus proche que ça, autant pour moi. Ah non. Sur un minimap, pour moi c'était comme si t'étais quasiment dedans. Putain. Ouais, y'a un problème. C'est que le visuel sur un map où quand tu spawns d'où est la tornade et de son rayon d'action n'est pas bon. Peut-être, toi. Oh. Tiens, pourquoi tu me pètes ma tourelle? Regarde. Oh. J'ai l'édition de luxe de la tourelle. Ouais, je préfère la tourelle, moi, c'est mieux. Après, j'avoue que je pensais pas la dégommer aussi facilement quand même. J'ai raté de peu, j'aurais dû tirer beaucoup plus haut. De snipe. Ah non, G57, il m'a eu le mec là. Mais comment a-t-il fait? Il est où? Je peux dire qu'il m'a. L'ennemi a réussi à prendre le secteur Bravo. Charlie 1 se fait attaquer. Installez des défenses ici. L'ennemi a capturé le secteur Alpha. Demandez au bot si c'était autorisé de miner en zone rouge. On doit vite sécuriser les secteurs. La majorité est sous contrôle ennemi. Oh.
des attaques sur Alpha 1. Ah mais, fait tirer au 25 mm sur la Wildcat, il était mort les gars. Faut pas hésiter. Les Russes commencent à manquer de moyens et de ressources. La majorité des secteurs est sous contrôle. L'objectif Alpha 2 est attaqué. Le secteur Bravo est aux mains de l'ennemi. Ouais, j'ai posé une question au BAD, ils répondent pas. Non. Je me demandais si on pouvait abîmer la red zone. Parce que s'ils me disent oui, t'inquiète pas que je vais en abuser. Hein. Yes, l'hélico! Alors j'en suis où avec cette. Ah, je suis que maîtrise 25! Oh! Encore en faire beaucoup de kills. Les forces ennemies contrôlent le secteur Alpha. Les Russes ont pris le contrôle de la secteur. Ah, Jérémy, il y en avait deux derrière toi. Ah ouais, j'étais en train d'écrire, c'est pour ça. Dans notre dos. Oh putain, ouais j'ai vu mais... Grave. Bon, ça va pas ça. On est pas très bon là. À côté, j'étais nul. J'aurais dû mourir. J'ai sauvé la vie. Hein. Sincèrement, j'aurais mérité de mourir. Hein. Comme j'ai été nul. Élimination. Oh putain, merde. On a perdu quelqu'un. Viens vers moi, tu peux. Ah, punaise. Ah, il était au niveau de l'entrée de A. J'ai pas regardé cet endroit. Je pensais qu'ils étaient plus au niveau du bus. Le parachute pour venir te revive. Non. Il y a un char là. Oui, je confirme. Oh putain, non, on m'a descendu. Je confirme, il y a un char. On a pris le coup. Bon bah. Il se replie. Bon travail, sans patrie. Vous avez gagné notre ah, t'es quoi, allez. Premier, deuxième, notre coéquipier d'escouade. Toi, t'es dixième. Ça va? Sincèrement, on a bien joué. Ouais, surtout que là, je jouais à moitié parce que je réponds des messages. Ouh. Ah bah on est premier. En plus à 3. Ouais.
Je l'ai pas encore fait en version 64. J'ai toujours fait en version 128 cette map. C'est la nouvelle là, celle-là. T'as déjà un problème quand tu spawns déjà sur un des points. Tu l'as joué déjà celle-là ou pas? Ouais, j'ai déjà joué en 64-64. Normal, cette semaine. Ah donc c'est... Un ouais, sous-marin okay. que nous avions perdu a été retrouvé à Alang, en Inde. En plus de saccager nos biens nationaux, il pille nos systèmes d'armes les plus secrets. Nous devons intervenir. Notre infanterie navale va se déployer sur le champ. Coopérer avec elle pour ok, donc elle est... Je l'ai pas joué dans... En 32-32. Bah déjà, des premiers changements que je vois, ça a bien raccourci les distances. Allez, ouais. Et puis maintenant, il y a 4 points à prendre. Avant, il n'y en avait que 3. Ah, ils ont séparé. Ok, ils ont complètement changé la carte. Complètement, c'est plus du tout la même. Ouais, j'avoue que celle que j'ai joué. Après, en longueur comme ça, celle que je jouais était plus orientée sur le côté droit. Tour radio, tout ça. Tu l'as tué le mec qui a sauté là? Ouais. Oh, je fais les choses bien moi. Je fais les choses bien, mon ami. Bon, on est en train de leur mettre une rouste là. Ah, ils sont en train de prendre des 1. Ok, ils ont dû se parachuter dessus. Le personnage est vulgaire. Oh putain, il m'a mis enfoiré. Perdez un. B1, on perd C1, on perd D1. D1, nos alliés sont en train de reprendre. B1, non, par contre. B1, c'est non, on est en train de. Il y a une personne sur le point. Ouais, par contre, là, ce point-là, en véhicule, c'est la merde. De l'autre côté, ils sont. Il est en hauteur. Il est sur le haut de la structure. Le haut est mort ou de l'autre côté? De l'autre côté. J'en ai eu un. Vous voyez le deuxième sur B1. En véhicule, je viendrai pas de revive. Désolé. Pas prendre le risque de sortir, de me faire descendre et de laisser le véhicule à l'ennemi. Toujours le mec là. Y'en a un que j'ai tué, le deuxième. Ah ouais, non, mais il est toujours. Il s'est remis au même endroit? Ouais. Il est en hauteur là, ouais. Pour le deuxième hein, par contre. J'en ai eu un. On a perdu D1, on a perdu C2. Ils doivent y être toujours sur la structure parce que j'entendais pas. Le problème c'est que j'ai pas d'angle de tir pour t'aider. Je vais plutôt aller sur D1. Ouais. Je vais d'ailleurs capturer D1. Oh non.
On a Eagle avec nous. Qui campe là? Bien vu, Eagle, bien vu. On a capturé tout le secteur Charlie. Oh, monsieur. C'est bien mon personnage qui part à ma place. Oh mais c'est pas vrai. Oh putain. Ah, il y avait un tank. Ouais, pas vu non plus. Moi non plus. Bah si, j'ai vu le kill field. J'ai vu quand on a fait boom qu'il y avait un tank. Blindé ici. Demande reçue. On vous envoie le véhicule. Merde, j'ai cliqué sans protection active, misclic. Hélico hostile. Un de nos objectifs est attaqué. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. J'ai trouvé un dispositif ennemi. C'est un allié. Nos troupes viennent de prendre le secteur Charlie. Balance une grenade. Ah, mais c'est que je n'ai pas les portées encore sur cette map de capture des points, quoi. J'ai pas trop d'idées où ils se planquent. D'avoir une balise de respawn entre D1 et notre spawn. Rien qu'à courir pour aller sur D1. Merde. J'ai trouvé où ils sont planqués. Attention par là, à 40 mètres de moi. Thank you.
bâtiment est prêt. Ennemi multiple en vue, à 60 mètres de vous. C'est du tir au pigeon que je fais, Jérémy. J'ai pas arrêté de tirer sur des gens qui spawnaient entre notre spawn et... Aider. Ouais. Ah, ça doit être bon. J'ai dû tuer tout le monde. Personne spawn depuis un petit coup, donc... Ah ! Ça a pris un peu de temps à nettoyer, mais... Ça s'est bien passé. Putain ! C'est passé mon petit Jérémy. Il m'a eu avec un super sensor. Oh. T'es fait humilier, tu te fais super humilier alors. Hey, tu vas pouvoir recuter, allez. De front contre un super 500, je suis sûr que tu gagnes au couteau. Et comme tu dis, attends, tu me rushes au couteau, j'ai une arme d'assaut. Je pense pas que tu gagnes. Oh yeah. Ta gauche, il y en avait un là. À ta gauche, derrière toi. Comme tu veux. Donc je suis prudente. Voilà. Par contre, la destructibilité, enfin, je comprends pas comment ça se fait qu'un mortier aussi lourd ne pète pas les murs. Putain, c'est chaud là. Attends, on va se reprendre un petit coup. Refais-toi de santé, va. Gueule nous répare. Merci à toi. Attends, je te répare. C'est bon, je suis quasiment full. Voilà, okay. C'est bon. Hop. Attends. Voilà. J'ai mes deux esclaves mécanos, ça c'est beau. Encore jamais aller sur ce point pour te dire. Comme t'es collé, je vois rien là. Et à mon avis, il faut que je recule. Hop. T'en vas te. Le Little. Ah ouais. On ne l'avait pas vu avant, j'ai vraiment tenté. Je pensais pas que c'était comme ça quand même le point. Je me suis engouffré dedans. Aïe. Il y a un tank, méfiez-vous. Ah, je crois que Jérémy t'a sorti le Super 500 là. Non, c'est pas moi. Non. Non, c'est la tourelle. Tourelle. Mmh.
Où le tank? Oh putain, il est derrière là-bas. Il a fait boum. Ah. Ouais, j'ai été nul. J'ai rien vu du tout. J'ai été nul, j'ai quand même fait 20 kills. En véhicule, je crois que j'ai... Oh merde, putain. Je me balance une grenade, elle tombe juste sur moi quoi. Élimination confirmée. J'arrive là, par hasard, je tombe sur une grenade. Je suis là. La victoire. Ah ben oui. Les forces américaines se retirent. La victoire est à nous. Après, le truc qui m'a interpellé dans le dernier post qu'ils ont fait d'IA, c'est qu'ils ont dit que c'était l'avant-dernière map retravaillée. C'est-à-dire qu'elle s'occuperait plus que de sablier. Vas-y. S'habiller pourrait la refaire parce que c'est pas franchement. Faudrait qu'ils mettent en fait, faudrait qu'ils abandonnent l'idée de l'arche et faudrait qu'ils mettent plutôt sur le stadium les combats. Ah ouais, c'était mieux, ouais. Le côté enfin en 32 versus 32, c'est génial, je trouve. S'habiller parce que t'as le combat sur le stadium et sur la ville à côté. Là, c'est pas 32 contre 32, c'est 64. Ça. Oui, excuse-moi, 64-64. Justement, t'as l'arche d'un côté l'extrême, t'as A l'extrême et t'as deux points à un côté de l'autre, t'as le stadium et ça. Ah bah tiens, quand on parle du goût. Après, il y aura quoi d'autre comme map encore d'origine qui a pas été refaite? Non mais une nouvelle map, ça serait pas mal quand même. De toute façon, à chaque saison, pour le moins, nous habituer à une nouvelle map, une retravaillée. Ouais. Donc j'espère juste que l'histoire de avant-dernière map à retravailler qui est sortie, j'espère juste que ça veut pas dire que c'est plus qu'une saison et c'est fini, quoi. Donc en octobre, novembre, ça fera deux ans, le jeu. Au Qatar. Des conditions extrêmes, fera deux ans, ouais. Une évacuation massive, mais des rapports affirment que des troupes russes comptent saisir ça des fera deux ans. Donc c'est trois ans. C'est suffisamment important pour qu'on aille sécuriser. Ou 4, ça dépend. Tous les deux ans, il est renouvelé. Maintenant, ça dépend. Bonne chance. Bah, un coup, on a attendu 4 ans. Battlefield 3, c'était 4 ans après Bad Company. Hein. Battlefield 3 c'est 4 ans après Bad Company 2. Ouais, mais il y a eu d'autres versions. Entre... Non, il y a. T'es sûr? T'es tu Bad Company Vietnam? Bah, non, Vietnam, c'était avant Battlefield 3. Hein. Oui, c'est ce que je dis, il y a eu Bad Company 2 et Bad Company Vietnam. Ouais, ouais. Mais c'est... Enfin, moi je considère que Vietnam c'était plus, tu vois, un Bad Company intégré, tu vois. De juste sur un peu l'époque, ils n'avaient pas changé grand chose, tu vois. Gomes considère toujours que Battlefield 4, pour moi, c'est un 3.5. Hein. Bien qu'aujourd'hui Battlefield 4 avec tous ses DLC est d'un point de vue je trouve lore génial. Parce que ça raccorde tellement de BF ensemble. Lequel? Battlefield 4. Ah il fait pas mal ouais. Après moi je reste toujours de partisan du 2142 moi. Moi j'aime bien, franchement il est bien. Moi je le trouve réussi là. Ah, mais il aurait dû sortir comme ça surtout. Il serait sorti comme ça le jeu, il aurait été magnifique. Ouais. Tu vois, sablier quand. On voit qu'ils ont mis du temps, si tu veux, pour le développer, quoi. Ils l'ont sorti à l'arrache. C'est ça, et moi. Alors, par contre, moi, je le dis, le jeu, il y a toujours un truc qui me reste en travers de la gorge. Hein. Quand on me promet de pouvoir faire tomber tous les buildings comme BF4 et que tu puisses pas le faire, moi, ça, par contre, c'est toujours en travers de ma gorge. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'à destructibilité des décors, ça, c'est... on a régressé hein, dans les BF hein, avec celui-là. Ah peut-être, ouais t'as raison, c'est vrai qu'il y en a eu de très très belles. Hein.
Après on peut dire ouais. Les décors, il y en a eu de très très belles. Ouais. Oh, par contre, voilà, c'est là où je. Autant le côté destruction, je trouve. À part les maps là où t'as les petits bâtiments sur A ou autre qui détruisent facilement, les autres bâtiments, je les trouve ultra résistants. Même trop résistants par rapport. Putain, tu mets des obus de tank, le mur il tient bon au bout d'un ou deux obus de tank quoi, pour péter quoi. T'en mets deux ou trois. C'est pas logique. Les bâtiments qui s'effondrent pas. À un moment, on peut reprocher que peut-être BF3, l'effondrement des bâtiments était peut-être pas parfait, mais c'était quand même agréable. Moi, le bâtiment, à la fin, t'avais vraiment l'impression d'avoir rasé le bâtiment, quoi. Par contre, ce qu'on doit rendre César à César, les effets météorologiques sont magnifiques. Ouais, ça existe que depuis. Ils ont commencé avec quoi? BF4, je m'en plus. Non, pas BF4. Hein. La destructibilité? Non, les effets météo, tout ça, les... À BF4, t'avais surtout Paracel Storm, où t'avais un peu, mais regarde là. Tu t'arrêtes là en plein milieu, tu regardes le sable, tu vois le sable au loin qui bouge, tu vois des serpents parfois à des moments, etc. etc. Je trouve vraiment que par contre, ça, d'un côté vivant, je trouve la carte très vivante, tu vois. Ça, par contre, ils ont réussi le truc. T'as besoin d'eau. La majorité des secteurs est sous contrôle. Nos instruments météo signalent un danger. Surveillez bien votre environnement. Après moi j'avoue BF4, celle que j'adorais, c'était Paracel Storm. Avec t'avais petits bateaux. T'avais petits bateaux tout le bordel. Et quand t'avais la tempête là, en mer. Faites-moi un rapport de situation. On a repoussé les Russes, mais ils vont contre-attaquer. Enfin, même toutes les maps étaient bien. Il y en avait une que je crois qui avait été sous-estimée, c'était celle avec le barrage. Ah oui, je me rappelle, ouais. Je trouve cette map-là, tout le monde crachait dessus, tout le monde la trouvait dégueulasse, moi je la trouvais bien. Salut! Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Salut. Ça va. Je te fais un boulot là sur Alpha, je te dis pas. Hein. J'ai raté le pilote du Little. Ah! Alors, comment il est ce Star Wars? Très bien. Une bonne suite à l'autre? Ouais, ça va, ouais. Les cartes sont beaucoup, beaucoup plus grandes, donc au niveau de l'exploration, c'est énorme. On s'y perd un peu. Pour toi, il a rempli son cahier des charges? Oui. C'est le même qu'avant, en fait. Hein. C'est juste l'histoire qui continue. Parce que ils ont pris tous les points et ils ont tous amélioré, donc ça va, il n'y a pas de vrai réel problème, en fait. J'ai vu des personnes qui arrêtaient pas de gueuler sur le jeu, que c'était de la grosse merde. Oui, le jeu bug, mais moi j'ai une grosse config, donc j'ai pas de soucis. Permis ? Oui, j'ai un char en face, attends, tu permets. Et bah justement, je veux t'aider. Et que lorsque t'as une petite, enfin une config normale, moyenne, où ça bloque. Oh putain, l'autre avec un SVK il m'a eu, enfoiré, je sais pas. Mais sur PS5, enfin sur les PlayStation, ça bug pas et les gens disent que je vais très bien quoi. Ouais, je te cache pas que j'ai pas beaucoup trop suivi. J'ai juste vu que des gens gueulaient parce que le jeu était nul à chier. Voilà. Ouais, pas nul à chier.
Ah, mais après, j'ai l'impression que. Enfin, c'est toujours pareil. Après, quand tu essaies de regarder un peu les commentaires de ces personnes, tu essaies de lire. En fait, tu vois rien de constructif. En fait, tu comprends pas pourquoi il est nul à chier. Bah, il est nul à chier parce que ils disent que ça bug, c'est tout, quoi. C'est. Ouais, comme ça. Pas constructif, en fait, ça veut rien. Je crois qu'en plus, si tu précommandais, t'avais accès 3 jours avant la sortie. Non, même pas. Non, ils ont pas fait de tout comme ça. Non. C'est souvent le style d'EA, c'est pour ça, je me dis. Moi, j'ai pris le jeu avec l'abonnement EA là. Ça, je paye pas juste 60€. Moi, j'avoue, je préfère acheter un jeu que mettre ça dans un abonnement. C'est un jeu solo donc. Dans un mois, j'aurais fini et j'aurais retiré l'abonnement et puis j'aurais oui. Fait le jeu pour 15€ au lieu de 60, quoi. Oui, sous cet angle, on est d'accord. Ah bah. Tiens, on est dans la tempête là, sur B2 là. Tu vois, c'est un effet que je te disais. Ça, enfin, n'empêche l'effet visuel quand tu te poses 30 secondes à l'écran, c'est magnifique. Hein. On peut quand même dire, c'est peut-être la seule chose qu'ils ont bien réussi du jeu. Oh les gars, arrêtez de vous planquer les gars. On capture. On prend d'assaut Bravo 2. Oh putain d'hélicoptère de merde là. T'inquiète pas, on l'a eu. Aïe. Jeremy. Ah bah attends. Léon. Oh putain, regarde. Oh mais il est où? Il t'a tué d'où? Je sais pas. Mais je sais pas. Il est avec un AK-24, je sais pas où il est. Les forces russes ont capturé un objectif. Le jour où je pourrais faire tomber un de ces buildings, ça sera bien. Je serai contente. Oh non mais ils ont augmenté le recul là, c'est possible. Non, t'es habitué à... T'es plus un Jedi, hein. Tu n'as plus la force pour viser bien. Deux quatre, sérieux. Oh inquiète, sac de chauve. Oh putain, merde. Il y en avait deux, j'ai pas visé le bon. Oh. C'est bon, jamais fait de kill, grave. C'est rouge un peu le map là. Il y a une tempête de sable. Mais Jeremy, t'as vu comment tu joues là? J'ai mis une dans le cul. Je l'ai fini. Ah ou pas. On a sécurisé un objectif. T'inquiète pas. C'est pas moi. RM68 quelque part. Sur une dune. Oh putain les mecs là.
En fait, ils étaient là, en fait, ceux qui nous abattaient. Ouais. Building au-dessus de B1. Force hostile en visuel, à 110 mètres. Ouais, là où il a tiré, Eagle, nickel. On attaque, bravo 1. Dans les pots de fleurs, il y a. J'avoue que l'autre s'est posé avec l'avion. Oh putain, ils font chier avec leur tank, leur vie cuit et tout là. Ah, c'est ça qui est bien. J'ai eu l'ennemi. Y'a pas une personne dans la gamme d'avant avec les véhicules, moi je suis content. Faut être contente. Putain, merde, je... Il y a un autre tank plus haut. Voilà. J'ai hésité à tirer. Il est où? Il est descendu devant nous. Ça sent le danger par ici. Je suis tout prêt. J'aurais dû tirer. J'ai hésité un moment. Je pensais qu'il allait reculer, mais. On va sur C1 là. Autant y aller, hein, on est à côté. Hein. Les mines, on les voit plus maintenant. Il faut ah ouais. Maintenant. C'est un vision KPC ça. Ouais. Nos alliés lancent des hostilités à Charlien. Bon bah je crois que si vous voulez cette voiture autonome... Oh putain. Putain j'avais rien putain. Donc véhicule, y'a personne dedans, on peut récupérer. Majorité des secteurs et sous contrôle. Les objectifs Charlie
C'est moi qui conduis. Les Russes n'ont plus que la moitié de leur force. Je te récupère, Léon. Ouais, j'ai récupéré ça là. Hop! J'arrive. Merci. Hey, Jérémy, on va où? Bah, eh bah, je te suis. Ah, oh, c'est des lance-flammes ça? On a un incendiaire, 40 mm. Putain. Oh putain. Tu vas demander ma vie. Ah, non. Ah non, c'est le super cool. Ah ouais. Le super connard. On vient de perdre un objectif. Allié engagé sur l'objectif Bravo 3. Secteur Bravo et on a l'ennemi. Oh putain. Fais chier, putain, on voit rien là, y'a trop d'effets spéciaux sur ce jeu. Bah, tu peux les réduire, hein. Ouais, tu les réduis les qualités, t'inquiète pas, t'en auras moins. C'est terrible, vraiment, on voit rien. Tu prends une grenade, tu vois plus rien. Le but de, quand tu te prends une grenade flash dans la gueule, c'est sûr que ce but c'est de plus voir après. J'ai le tank, t'as tiré sur le camion. Ouais, sur un des deux là. Gars, le tank maintenant. Oh non, il m'a feinté là. J'ai plus de munitions moi. Il a sauté le gonze là. Ah, mais il est mort. Et le tank avec. Il se met au minigun. J'en ai marre du sable. J'en ai marre de courir dans le sable, perdu. J'en ai point les bottes. Camarade abattu. Allez, tiens le coup. Vous entretuez. Ils campent là les mecs là comme des... des chagas. Ouf. Ouh, j'ai un deuxième trou de balle. Tu as sauvé la vie, hein. Ah bah, j'ai un deuxième trou de balle, hein, je te le dis. Ouf. On contrôle Bravo 3. J'aimerais monter à bord. L'ennemi a pris le contrôle du secteur Charlie. Ah, les gars, je viens de découvrir un truc. Oui. On peut se mettre accroupi derrière le brawler. Par contre, on a tout perdu. Putain, mais le fils de pute là, sérieux!
Putain, mais ils sont abrutis. Ils... Non, mais. C'est sûr, c'est pas des IA. Hein. Ah, merde. Ils faiblissent, mais ne lâchez pas les objectifs. Y'a rien. Trop de cuits, les gonzes. Hein. Le mec, il voit un mec, il panique, il tire sur tout le monde là. Allié touché. Biowan, il est meilleur que moi. Ce point, c'est nul. J'ai pas B2. On va faire de toi, Jérémy. Eh ouais, j'avais que du C5. J'avais tout à l'heure le M5, mais j'ai remplacé. Rendez-vous là-bas. Oh, mais il est où le con, là, sérieux? Derrière nous, il est. On a pété le véhicule, il est derrière un muret. Je l'entendais pas là, derrière moi. À ma gauche. Mais il y en a un deuxième. À gauche, dans le bâtiment. Attends, je vais servir de scout, je te dis. Eh, dans le bâtiment. Oh putain, non, merde. Donc bâtiment, j'ai pas arrivé. Ouais, ouais, non, mais je l'ai. Au début, j'avais dit ça un peu au hasard, j'étais pas sûr de moi, mais finalement. Ouh. Bon, vous pouvez me tuer, c'est bon, j'ai abattu Lico, je peux mourir. Voilà. Je tirais dessus, mais j'ai pas eu avec une roquette, c'est parce que je suis. Oui, il en faut deux pour les échos de transport. Y'a que les hélicos classiques qui meurent en one shot. Les troupes ennemies ont pris le contrôle du secteur Bravo. Ah punaise, j'ai tellement. J'ai. Paniqué. Pas d'autres termes, juste. Oh putain de snipe! Ennemi signalé, distance. Y'a un SVK là sur B3 là. Ah merde, faut aller sur B, faut aller sur C, hein. B, on est en train de se planter dessus. Beau et fort, et on va la perdre à cause de ça. Objectif capturé et sécurisé. Position indiquée. Allez. Oh, pourquoi je spawn en bas? Marqueur en place, c'est loin.
Ouh, Jeremy, si tu veux spawn sur moi, je dis pas non. Tu l'as vu? Ah, je l'ai remis. Putain, ça tire à... Il y a eu ça qui était dans le buisson. Ouais, je crois qu'il y en a un autre plus loin. Là, j'ai été touché, là, je sais pas par où. Il y a eu 3. Ouais, c'est bon. Au nul. Je me suis rendu compte que les gens ils pensent tellement pas à regarder sous le camion. Vous suggérez quoi ? Ennemi marqué, au nord-ouest. On fait alpha ? C'est un peu loin mais bon. Ah putain, il y en a plus de véhicules dispo, ouais. Ah si, je vais en commander. En commander un ? Oh putain merde. Si je me fais pas descendre. Allez, touché. Trop tard. T'en fais pas, je vais t'aider. Arrive, Jeremy. La mission n'est pas terminée. Ah, trop tard. Pardon. Qu'est-ce qui a explosé là ? Allez, tiens le coup. C'est mieux. Merci beaucoup. En fait, j'ai vu un véhicule, j'ai tiré dedans. Il y en avait un qui était sorti du véhicule, je me suis dit qu'il y en était encore un dans le véhicule, donc j'ai tiré dedans. J'ai pas réfléchi. Hein. Oh putain, à chaque fois c'est l'hélico moi, bordel. J'arrive, tiens bon. Ça t'incarne nos objectifs. T'inquiète pas, ça va aller. Je vais t'aider. Attention. J'en ai pour une. Un peu fait mal, Jeremy, en tirant ma roquette. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ça va. Je m'en remettrai. Ils attaquent massivement, c'est hein. Ah. Mais il joue en team et moi je suis tout seul sur ce putain de point de merde là. Pour lequel ? B3, il y a une balise et. Et je vous attends. Laisse tomber, il vaut mieux faire A et C, c'est plus facile. En fait, c'est des points uniques au moins. Bah ouais. Ils ont plus rien à perdre à ce stade. Allez, relève-toi ! En fait, le problème de B, c'est qu'il y en a toujours un point que t'as pas. Justement, là, si on prend celui-ci, on les aura tous. Non, ils ont repris B2. Je pensais que ma voiture qui allait rouler tout droit, ils avaient pensé que j'étais en cours de temps. Sérieux, mais ils sont combien là? Ils sont combien? Il y a combien de teams? Bah, il y en a 32 en face, hein, on est 32. Je dirais 32. Ce serait bien, ça serait de rajouter des bombes sur les avions. Il n'y en a pas déjà ? Non, c'est des missiles anti-véhicules.
En deux bombes de 1000 kg ou deux didames ou une didame. Je puisse balancer la bombe sans aucun verrouillage. Ah, c'est des feux nourris, hein. Enfin... C'est quoi ça, Hannibal, ça? Rico furtif. On va vraiment gagner de justesse cette foutue partie. Hein. Le temps de me poser une mine, enfoiré. Le 24 heures, c'était chaud quand même. Ah, c'est ce que je dis. Pourtant, à un moment, on avait une bonne petite avance. Hein. Ouais. En fait, à un moment, c'est tellement concentré sur B qu'ils ont repris A et C. Meilleur escouade. Ah oui. Bien. Okay. Mais pas meilleur joueur. Allez, bientôt fini aussi ce tank. Ouh, il gueule. On peut passer cet obus sur Condor. Oh mais c'était qui avec le véhicule là? Sur qui j'ai spawn? Il y a Eagle dans un BLC, moi je suis dans un tank avec Jeremy. C'est le Eagle là, ouais. il voit rien. Il est aveugle. Oh, c'est plutôt un bon joueur Eagle hein. Pas convaincu. Attaque ennemie.
un char en fait là. Mais pourquoi j'ai pas... Il y a eu un truc bizarre là. Je viens de dégommer un tank en fait, Jeremy. Bah ouais, mais t'en as un en face là. Ah bah j'en ai déjà dégommé un en fait, il y en avait deux. Attention, tu vas tomber là. C'est toi qui m'as tiré dessus? Non. Par contre j'ai... Ouais, c'est bon. Là j'ai fait de la merde là. Un peu ouais. J'ai totalement fait de la merde. Je pensais me retomber sur mes chenilles, mais je pensais pas rester comme planté comme une tortue, tu vois. J'ai fait la tortue. La petite, la maman tortue. Et là au-dessus. Notre allié est tombé. Attends, je vais t'aider. Debout, on a besoin de toi. Je fais trop chier, je vois personne et je fais que mourir. Ah, horrible. Hélico en visuel, nord-ouest. Oh putain. J'ai servi, le mec en face. J'ai servi de pare-balles. J'ai servi de pare-roquette. Bah, je me suis pris une roquette dans la gueule. Nous contrôlons la plupart des secteurs du champ. T'es sûr que c'est pas la tienne? On bouge. Ah, non, non, parce que j'ai pas tiré de roquette. Parce que comme j'étais derrière toi. Je peux t'assurer que non. Parce que je l'ai vu venir en face de moi. J'ai même des preuves à l'appui s'il faut. Moi qui vis sur le toit. Conteneur. Hop, battu. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Oh non, putain, attention. Reste avec moi. Vous savez, j'avais quasiment plus de vie hein, quand je suis allé le chercher. Il y en a encore un, mais je sais pas où il est. Il y avait un retrain. Devant moi. Sur le chemin de fer. Il est mort. Putain! T'es arrivé? Bah ouais, c'est bon. De quoi? Bah ouais, j'ai pris le recul de ton M5 sur la tronche. Et tu te casses en plus, tu me ranimes pas. Ouais, j'ai pas vu que tu t'es tué. Ah, mais je suis toujours au même endroit. Hein. Putain, mais. Mec, super. Généralement, quand on jure, c'est qu'il y a eu une catastrophe. Ils sont combien là-dedans là? C'est rare de s'escaffer de dire putain j'ai bien joué. Plus souvent putain j'ai fait, t'as fait de la merde. Ouais, c'est bien ça. Les troupes américaines montent des signes de vacuité. On a capturé le secteur Delta. Parce que j'ai fait avec le véhicule, j'ai fait de la daube pour changer.
marqueur en place. Allez-y. Attendez, je recharge. Colis prêt à être envoyé. Putain, allez, touché. Côté l'air bleu là sur. Non mais c'est un... Ouais mais c'est un allié qui m'a tué. Ah non c'est pas un allié non. Ah si Big One c'est un allié. J'ai tué l'autre et le Big One m'a tué. Le secteur alpha est sous contrôle. Il y a trop de trucs là. Il fait deux d'un coup là, dis donc. Au Super 500. Une balle de mec. Ça oh, c'est beau. Ah ouais, mais moi je suis très économe. Menace éliminée. Bah, surtout en ces temps actuels, faut économiser tout. Il est bon le végétal, hein. C'est ça ? Végéta, c'est un mec. Bon. Toujours pas vu, non. Je viens t'aider, bouge pas. Ma mission n'est pas terminée. Putain. Campeur de merde là, dégage. Oh putain. Jérémy, tu passes devant. J'ai failli mourir, ouais, non, j'ai failli te tuer. J'ai failli tuer tout le monde. Attends-moi, tiens bon. C'est mon petit chat, il vient jouer avec moi. Essenheim, Essenheim. Je connais pas ce joueur. Contre 28 on est. Enfin 31 vu que Bad Boy il y a le Bad Boy ennemi avec nous. Oh. Pas que c'était une roquette alliée en fait. Non, c'était pas une roquette alliée, c'était sur le bâtiment. Oh, c'était sûr, c'était sûr. Je priais pour qu'il n'y ait pas vu. Colis prêt. Appelez si vous avez besoin de ravitaillement. Pas pris assez fort, je te le dis. C'est quoi ça? Pourquoi les mecs? Y'a plus de munitions de roquettes. Y'a 3 tanks. Enfin, un tank de Wildcat. Bon bah, le tank est mort. Ah oh, putain! Le deuxième est mort. Y'a encore un tank dans le spawn, devant nous.
Et le troisième point qui est mort. Ouais, nickel. Propre, efficace. Il manque plus que le Wildcat qui est passé au-dessus. Attention à cet ennemi, à 130 mètres. Ah, il y a un autre véhicule qui arrive. Il y a un Wildcat qui est passé en fait avant les 3. Oh, et lui il a explosé. Au revoir. Bah voilà. What? Il a esquivé mes mines? Comment il s'appelle ce véhicule là? Le véhicule avec les... Le 4 brawler... Non non, un véhicule de transport avec juste deux trucs dessus là. Le nouveau? Mais A8 ça, roues. C'est, ça mais il y a trop de... Trop d'effets spéciaux. Le A8 roues? Non attends, je vais voir le nom, le... je sais plus comment il s'appelle, mais il est passé sur mes mines, il a pas pété. Soit il y a le MAF, soit c'est le brawler. Non non, le Bolt, le M5. Ah le Bolt. Bolt. Ouais, donc c'est avec uniquement le canon, à deux places. Ouais ouais, mais il a... Enfin il est passé l'endroit où j'avais posé mes mines, il a pas explosé. Alors en fait, pour péter sur une mine, faut vraiment que tu aies une roue sur la mine. Pour faire plus simple, moi ça m'est déjà arrivé de passer au milieu des mines, parce qu'en fait, la mine est passée en plein milieu de moi. Mais normalement une mine, les mines elles sont faites pour... Comme si elles étaient aimantées en fait. C'est pas grave. C'est juste que je l'ai vu passer. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi haut lui? Non, je peux t'a... Sur celui-là, c'est les mines, c'est pas... ça fait plus... c'est plutôt des mines, faut vraiment que tu roules dessus comme les M5. Si tu mets pas la roue dessus, tu ignores le problème. Dans lequel qu'il y avait les mines aimantées Il y en avait un qui était comme ça, que c'était aimanté. Bon, après, il y a des chances qu'il est juste, il soit juste passé à côté, j'ai mal vu. Hein. Bah après, c'est vrai que les... Quand tu veux, pour le tank. Je lui ai mis une roquette, tu peux pas y aller. Ah, j'ai plus de roquettes. Bon, il est mort. Il y en a un derrière. Mort. Mais je respawn, j'aurai deux trucs sans recul. 3. Ils sont trop sérieux. Et toi? Ben voilà. Là, il a pris à... Planque-toi. Tank, planque-toi. Oh t'inquiète, je veux qu'il vienne vers moi. Y a des... Voilà pourquoi. Alors par contre, la red zone, c'est interdit d'en mettre dedans. Hein. C'est pas une red zone. Une red zone. Tout ça, c'est pas de la red zone. Et je l'ai mis en haut des... Attends, la red zone, elle commence où? Attends, c'est pas une red zone du tout, là? Non. C'est pour ça qu'ils peuvent camper s'ils veulent souvent avec les... Avec les tanks ici. Je trouve ça déséquilibré, la vache. On pensait que c'était une... Moi j'ai toujours considéré ça comme une red zone, tu vois, dans les règles. Le truc c'est que... Parce qu'ils peuvent camper en fait quand ils sont ici, tu vois. Donc d'un autre côté, est-ce que c'est réglo, je sais pas, tu vois. Mais dans le serveur, ils ont jamais rien dit. Ah, tu vois, moi je considérais ça comme une red zone, tu vois. Parce que le problème en fait, alors ce que je veux dire est peut-être con, autant nous du côté russe on peut... T'as pas que la route pour sortir du spawn. Tu peux passer à travers champs, etc. Ah oui, je sais. Et là le problème là c'est que vu qu'on peut y aller, enfin je trouve ça déséquilibré. Parce qu'ils ont qu'un seul endroit pour sortir. Après souvent ça leur arrive... de comment ça s'appelle, les mecs d'être ici et de camper en fait. Ouais, mais après, bon, c'est genre de camper avec les véhicules, genre ils ont un Wildcat ou quoi, et ils ne bougent pas d'ici, donc si je peux pas les détruire ici... Après, en red zone, t'en as qui campent aussi, hein. Mais les admins ont toujours interdit de camper dans les red zones. Hein. Et après, sincèrement, un Wildcat qui campe là, il a quand même pas les meilleurs angles du monde, parce qu'il y a tous les hangars sur le côté gauche.
pareil. Enfin, moi, je trouve camper à cet endroit-là, enfin, je vois pas l'utilité. T'es trop planqué, t'es trop, t'as trop d'angles morts. Après, je comprends pas l'idée de camper dans son spawn déjà. Et même de camper dans son spawn, c'est aberrant. Les forces russes ont pénétré l'espace aérien. Alors, j'en suis où au niveau du véhicule Will 4, level 19, T28, 35, 60. Attention, la zone est traversée par un grand mur qui limite la mobilité. La coordination sera la clé du succès de la mission. Pareil, enfin, moi je trouve ça aberrant qu'on puisse pas faire péter le mur dans cette map. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui manque en destruction ici. Où tu vas chercher avec la vie, sincèrement. En fait, toutes les maps, c'est ce qui manque à destructibilité. Tu regardes rien qu'un obus déjà dans un mur, des bâtiments que tu peux péter le mur. Joli T28 là. Hein. T'as pas raté le T28 hein. Non. Et moi j'ai sauté, le putain de parachute il s'est pas ouvert. Enfin, il s'est ouvert trop tard. Ah. Il y en a un à gauche. Il va te par là, ouais. C'est bon, il est mort. C'est bien ce mortier, hein. Ouais, mal, ouais, je suis pas trop fan, j'arrive pas à tirer avec, je perds du temps. Moi j'adore le mortier. Il y en a un qui est passé là en face. Ah, ok, excuse-moi, j'avais pas lu. Non, mais sur. Charlie, regarde. Vas-y, sur ce Charlie. Moi, il y a le truc. Ok, pardon, je jouais pas, je suis là. Par contre, le tir de barrage là, le missile de barrage, ça vaut rien sur l'infanterie. En fait, c'est hit direct ou ça sert à rien. Ouais, j'ai pas mis un tout. Il était sur B. Nous. C'est bon, j'ai eu. Encore eu, mais. Je vais essayer de réparer. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire là. Grenade. Non, mais sérieux, c'est n'importe quoi ça aussi là. On va se replier. En fait, le problème Le robot chien, il est vraiment trop cheaté. Et... Ah ouais, là, le ranger, là, ouais, c'est sûr. En hardcore, oui, pas c'est sur cheaté. A2, pas sur A2, Ellie. Oui, j'attends. Je fais demi-tour. On te faire demi-tour. Je suis pas safe. Un mec, pas loin. Je sais pas où il est. En fait, ils sont sur le mur. Oh putain, t'as une mine. Ouais, dans un smoke, je voyais rien. Puis déjà qu'on les voit presque plus, là, les mines. Ah bah, c'est non, sûr qu'ils sont enfermés. Eh, t'es bien, c'était quoi qu'on avait des thermiques, hein, sur les véhicules. L'époque où on tournait, on jouait qu'en thermique dans les véhicules pour voir les mines. Putain, Nightbird qui m'a défoncé quoi. Je suis encore sur BF5 en soutien de ma gueule quand je. Moi, sur BF5, je prenais les mines. Comme sur BF1, je prenais les mines et je rushais les véhicules avec. C'est ce que je fais là. Hein. Hier soir, on faisait les cons avec. C'est ce qui... Avec Ryan qui me jetait en hélico.
Tu balances les mines. Et moi, je me jetais sur les véhicules avec les mines. Moi, je suis totalement d'efficacité. Je suis totalement d'accord. Je dis que c'est ultra bien. Moi, je me souviens qu'on s'était foutu de ma gueule sur PF5 quand j'avais dit ça. Mais en fait, c'est tellement efficace. Pourquoi tu le ferais pas? Moi, j'étais qu'un mec avec un véhicule que j'ai lâché. Oh non, mais sérieux! Maîtrise 24 avec le NVK. 3 kills, mais c'est... qu'est-ce que je fous là? Il y a des games comme ça. Faites-moi un rapport de situation. Il devrait pas y avoir des games comme ça. Pour ça. Ah si. Bon, c'est bien joué là, et puis. Ah, après, on peut pas être toujours meilleur. On peut pas toujours être parfait, hein. C'est-à-dire, c'est toute une histoire de décision, hein. Parfois, tu prends des mauvaises décisions ou autres. Putain! Edenheim! I'm here! Restez groupir, my général! Mais c'est my Obergeneral! Je suis un bon petit arien! Ah, plus loin, rien, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Orthographe! J'ai repris une bague, mon commandant! Ah, Fox! Merci. J'ai mal au cul, hein. Oh la vache! Je sais pas combien de chargeurs je me suis pris dedans, mais. Je vois rien, mon écran il bouge de partout là, c'est un enfer. Bon, si t'es allé dans la tornade. Sur toi, il est. J'ai vu monter au grappin sur toi. Tornade. La tornade est pas loin du bâtiment, les gars, faites gaffe. Il est sur la droite du bâtiment, côté spawn ennemi. La tornade arrive sur le bâtiment. Trois infanteries qui arrivent vers le bâtiment, niveau conteneur. Ah sérieux, je fais spawn sur C1, il me fait spawn derrière le mur, de l'autre côté. Après, à pied, tu peux encore assez facilement traverser quand même. Ben non, vu que les portes, elles sont fermées là... Ah, les petites portes, t'as. Oui, oui, mais c'est... Et tout ça pour me faire one shot à la sortie de la tour. Oui, merde. Ah, il y a un véhicule là-bas. Il y a le crawler. Il y avait. Mais les 503 ABT, j'arrête pas de les tuer. C'est une nouvelle team ou... C'est toujours le même que j'explose. Nos alliés lancent les hostilités à Charlien. Je suis caché, Edenheim. Ils sont trop sur ce point là, ils de sont combien de côté c'est... du mur. Ouais, mais je suis pas tout seul alors, attends. Ouais, c'est bon. Oh putain. Je me suis un moment demandé... Ah, ah. La gauche. Oh bah on est plus là. Je me suis un moment demandé... Irishman fait 0 là. Putain, il faut l'arrêter lui, l'Irishman. Il y a combien de flags de prix? Non, mais il est un hélico. C'est nul. 20-0, ça vaut rien alors, d'un côté. T'as comme fait 20 kills, hein. Enfin, quand tu passes devant lui, tu peux rien faire, quoi. Ah. Donc, c'est un peu embêtant. Ah, y'a un tank, c'est pour ça que je me suis tiré dessus. Oh, j'ai mis une roquette. Sûr. La tourelle, personne n'avait vu celle-là. Si on l'avait vu, on voit tout, nous, hein, cette quête. Y'a un tank, hein. Oh merde. J'ai touché. Ok, mort. Par contre, j'ai. Les gars, j'ai un problème. J'ai pris un obus de tank. Mais je suis en un morceau. Vraiment.
Mes bras sont encore rattachés à mon tronc. Merci. Hey, tu vas finir premier en raise avec moi. Oh putain. Oh non, mais le mec il est couché quoi, sérieux. Ils sont tous couchés sur le point là. Oui. Il faut dézinguer l'autre là. Putain, on a rien, on n'a pas aucun véhicule. Oui parce qu'en fait l'hélico c'est ce qu'il fait, il fait juste péter les véhicules. Bah ben ouais, il nettoie tout là. Pareil, ça aussi, là, tu prends les dégâts, du coup tu vois tout gris, tu vois plus les gens, t'as plus de contraste. Ouais, le souci avec ça. Je crois qu'en plus tu peux dégager les faits, je crois, dans les options. Ah, je vais le faire là. Tiens, le super ride maintenant. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que tu peux le dégager. Ce serait une bonne idée. On est la première squad. Faut dire que les autres ils font pas grand chose. Hein. Bah faut dire, j'arrête pas de donner des ponts au deuxième. Il m'a dit arrête 5 fois. J'ai pris 2 flags. Je vais reroll avec Rao si ça continue. Il faut que je prends un Stinger. Ouais, c'est pour ça, tu rerolles avec Rao, avec Stinger et t'es réglé quoi. Le problème c'est que t'as pas. En fait aujourd'hui si tu prends Rao t'auras pas le temps de sortir le Stinger, de verrouiller et de tirer. Go, t'auras dû récupérer les flares avec les modifications qu'ils ont faites. Ah, il faut jouer à deux là. Maintenant il faut jouer à deux. Donc si tu veux je sors le Stinger si tu prends Rao. Hein. Bah déjà je suis en train de faire un grand détour, j'arrive sur D1 là-bas, si je me fais pas buter avant. Avec toi, tu as 30 mètres sur ta droite. Ils ont pris le secteur Delta. Un silencieux ou pas? Deux mecs ont sauté. Non, pas de silencieux là. Ok, au niveau en brun. Non, je te demande d'avance, si je dois équiper. Il y en a un qui a sauté. Vas-y, avance. Ils sont plusieurs en fait au niveau du pont. Ah, ils peuvent prendre le point à l'étage, je sais pas. Oh fuck, il y avait un mec qui arrivait. Ah, je suis mort. Il y en avait 4, j'en ai eu 3. J'ai le temps que je fasse le grand tour, fais chier. Oh putain, un véhicule, en plus. Je sais pas où il est. Ah bon, on va prendre. Je prends un Kroger et on y va, hop. Par contre, on va faire le tour. Ce ratio de merde. Bientôt sur D. Vous pouvez vous mettre accroupi hein, derrière. Hein. Putain, il a rien pris ce con là. On rentre dans le bâtiment. Mais ta mère, le bâtiment. Il fait quoi l'hélicoptère là? T'inquiète pas. Je suis en spawn dans le bâtiment. Voilà, tu peux sortir tranquillement. Les troupes alliées sécurisent Delta 1. Le meilleur spawn du monde quand même. L'hélico tourne autour du point, faites gaffe les gars. Colis disponible, dès que vous êtes prêts. Vous avez pu reprendre le premier point? Delta 1 est sous notre contrôle. Ouais.
Ok. Bon, ça continue de spawn sur moi. Je vois que vous arrivez à prendre le deuxième, je vais sortir le véhicule de là, je vais aller sur un autre. Bien le F-35. Bah, les avions ça marche bien. Hein. Et personne pour tuer les véhicules, là. C'est fou ça. Je viens de switcher sur Rao pour pouvoir m'occuper du putain de truc. Et... Ah putain, j'ai oublié de prendre le Stinger. Ouais. La conne. Oh, j'ai remis. Tu nous fais une opération kamikaze là! Ouais, mais ouais. Tu peux leur donner un petit coup d'aile. C'est bon ça. Je sors le Stinger, comme ça si t'as besoin. Oh c'est putain, je t'ai à deux doigts de le scanner. Ah, mais c'est ce que je. Voilà. Toi, tu t'occupes de Neutra, moi je m'occupe de Sting. Nos alliés attaquent à Charlie 2. Allez, j'en ai sniper un sur Alpha là. Il est où là? Y'a plus personne sur le point, y'avait personne. Ah, comment il se retrouve là le mec? J'ai pas pensé qu'il pouvait être là. Oh putain, mais il me snipe l'enfoiré avec le. C'est quoi? Oh, il est bon avec le Nightburn. Ah oui, il est bon. C'est un sniper, tiens. Il a plus de frères, je viens de les faire sauter. Oh putain merde, oh, ouais, déjà. Le canard de partout. Oh mais c'est pas possible. Non, vas-y, faut que je sorte de ce bâtiment. On vient de perdre un objectif. Faut que je sorte de ce bâtiment pour pouvoir le cibler. Moi j'ai le Stinger de près. Allez. Donne. Allez, avancez, frère, juste avant. Par contre. Ouais, maintenant je sais où il est, je vais faire que l'attendre. Ah fuck, putain, il va pas me shooter là quand même. Il est parti sur Alpha, l'hélico. On est en train de la perdre. Putain, mais score. Change ça. Ouais, j'ai pas racheté, c'était de la grosse merde. Encore un véhicule. BF, bienvenue dans BF. Nos alliés se battent sur l'objectif Delta 1. Contrôle.
250 mètres. Nous avons le contrôle de la majorité des secteurs. Ennemi à terre. On a pris un objectif. Secteur Delta sécurisé. Y'a plus de frères, l'hélico. Hélico en visuel, ouais. C'est l'ennemi, à environ 300 mètres. Allez, allez, scanne-le. Boum. Tirez. Putain, il vole bas. Allez, allez, allez. Oh putain. Il a esquivé quoi, j'y crois pas. Ouais, j'y crois pas non plus. Là, il est trop long maintenant. Le Atom, lui, je vais le fumer, genre vraiment. Hein, c'est ma target. Je veux juste lui pourrir sa game. C'est bon. Vas-y. Faut que je recharge mon arme. Mort. Les ennemis ont capturé le secteur Charlie. Il est où notre AA quand même? Il m'a tué à travers le mur, putain! Glitch. 52-2. Le problème c'est que. Ah voilà, je peux enfin avoir le Wildcat, voilà, ça va changer un peu. J'espère. Il vient de sortir les flares, il les aura plus pour la suite. Ah, il a déjà sauté. Il est sorti le Wildcat. Faut que je monte sur le toit pour pouvoir le scanner constamment en fait. Il me casse les couilles avec tout ça là. On est deux. Oh merde, un pilote il se met derrière moi, ce trou du cul aussi là. Il est vers quel point? Il est au-dessus de C1 et C2. Il est scanné là. J'ai passé à tirer ses flares. Il vient de sortir les flares. Mais. Là il aura plus de flares. Tu m'expliques comment ça se fait qu'il y a une mine à cet endroit-là? Eh, hey, il a compris, il s'est mis hors range. Il est au niveau D1, D2 maintenant. J'ai perdu Wildcat sur une mine, donc c'est mort. Hein. Détruite. Ils ont pris trop de territoire, on est mal parti. Avec sauf-flamme? Ouais, je suis au sauf-flamme. Ok. Le secteur Delta est tombé aux mains de l'ennemi. Flair. Charlie 2 est attaqué. Et c'est normalement c'est bon. Ah putain, il est out of range. Ravitaillement prêt. Comme si j'ai plus qu'une roquette, quoi. Toujours out of range, il fait tout le tour pour arriver sur un à 2. Et maintenant il aura retourné sur C1. On va reprendre B1 nous. Le problème c'est qu'il me reste plus qu'une roquette. C'est bon, dis Léon. Finally. Nice one. Bien joué, Jeremy. Bien joué. Ennemi à proximité. Unité d'infanterie repérée. Tout là-bas. Ennemi par ici.
Il a voulu une cut. Je me suis fait TK, sérieux ? Arrive, t'es où ? Respawn ? Il me faut un blindé, maintenant ! Ok, véhicule en route. T'as pris un Wildcat. Ah putain, V super ring sur le toit de B1. Ah, t'attends, tu m'as pris Ah non, j'étais juste pour spawner. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Ah ouais, le Ranger là, tu es directement sur, de, sur D là. En fait, le seul truc que je comprends pas du Ranger, c'est comment ça se fait qu'il a autant de vie en hardcore qu'en normal. Mec, ses bonus sont doublés en hardcore. Mec, ses dégâts ils sont doublés en hardcore. C'est traité que... Ah, il est ressorti avec son... Oh, mais sérieux ! Je vais tuer par le joueur le plus mauvais de la game, quoi. Arrive. Hop. Ah non, c'était pas le même qui était sorti dans l'école. Il était nul à chier, lui. Avion abattu. Little abattu. Ils ont appelé un tank. De l'autre côté du mur. De B1. Ouais, il est réactif. Hein. Super 50 là. Je sais pas si Super 500, je sais pas ce que c'est. Fusil à pompe. Ah, c'est pour ça. Et le fusil à pompe. Ça explique cela. C'est le fusil à pompe que t'as en arme secondaire. Nous avons le contrôle de la oh merde. Les troupes alliées de cible bravo. Super Ran qui vient de décoller. Ouais, il est juste hors range pour l'instant. Jamais tu peux. Soft-flame direct. Tu veux me passer au soft-flame parce que j'ai des missiles anti-véhicule en fait avec le Wildcat. Je suis au soft-flame là, j'attends juste qu'il ait hors de portée. Ah c'est bon. Par contre je sais pas. Bon, j'attends qu'il enlève ça ou autre. Ouh. Et c'est parti. Il est hors, il est trop loin de moi. Ah ouais, même avec le soft flame tu peux pas le... Ouais, il est à 700 mètres. 800 mètres il est. Hélico visuel. C'est l'ennemi. Essaye pour voir là, maintenant qu'il est à 600. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Attention à cette hélico. 400, ça passe. Oh. Deux fois que je vous fais TK. Bon bah là, si tu le gardes au sauf-flamme, il est mort. Non, il est hors de portée. Ah merde. Il est à plus de 700 mètres. Il me dit s'il y a un hélico d'attaque qui décolle de spawn. Ouais, il est sur B alors l'hélico d'attaque. C'est le même. Il vient d'être sur flamme. Boum, il est mort.
Je focus vraiment sur ma cible. Les spawns de BF, bien joué. Ah, je viens de me faire mêler. Donc je suis sur flamme. C'est les choses de la vie. Ouais, il m'en veut lui là. Et un. C'est fou lui. Si on arrive à garder ces deux, on pourrait sûrement gagner la game. J'avais de l'infanterie, map, j'avais un sacré portail sur ma gueule là. Après si on tient les positions comme elles sont. Mais c'est un trou du cul. Bien joué. Bien joué Gato. Je l'ai pas vu. Bon je visais son collègue aussi donc. Allié gravement blessé. Tu vas chier, je suis. Je peux t'aider. Ils ont plus rien à perdre à ce stade. Il était où le Irishman? Je l'ai pas vu. Jean-Luc Creshman. Je ne sais point. Oh non, putain, le Ranger, enfoiré. J'aurais dû sur TF1. Non mais je tire dessus, ça marche pas. L'ennemi a pris le contrôle du secteur Charlie. Véhicule aérien marqué, à environ 130 mètres. Ouais, il tourne plus court que moi. Le problème c'est que là on est je suis en dogfight, je peux m'en sortir. Hop. On va partir à pied. Menace. Nouvel objectif sous contrôle. Eh, on va la gagner, salut. Secteur Delta sous contrôle allié. Allié seulement touché. Ça monte par l'ascenseur là sur D2. Ok, j'attends qu'il monte alors. Les forces russes attaquent nos objectifs. Ah, il est mort. Tiens, aérien hostile. Là, au loin. Rechargement. On va aller. On perd des deux. Prenez ça, grenade. Unité ennemie. Deux sécures. Ah, victoire! Et nous, on va s'arrêter là en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Donc, ce stream de Battlefield, ce stream de Crusader Kings. Je vous annonce de toute façon que la saison de Crusader Kings 3, la première saison, est finie. On a atteint l'objectif que nous avons fixé. Donc, la création de l'Empire romain a été faite. Les Abbasides ont été vaincus et on a restauré l'Empire. Donc ça pour moi, la campagne de Crusader Kings est terminée. Dans tous les cas. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce stream. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve en tout cas samedi prochain pour un autre stream. Allez, à bientôt tout le monde.